Voilà, j'ai changé le son. Hop. Eh ben bonjour, si, il y a quelqu'un. Juste, j'avais pas encore commencé. Hop, du coup là, on va... Je vais arrêter d'appuyer là-dessus. Ok. Donc là-bas, on va reprendre comme tout à l'heure. Donc pour l'instant, on fait surtout de l'exploration. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai commencé le mont Satori pour me remplir les poches. Donc c'est toujours le deuxième opus, Zelda Tears of the Kingdom. Donc voilà, j'avais plus rien comme bouffe. Du coup, je me suis dit, on va tenter de voir au mont Satori s'il y a toujours autant de bouffe. Et effectivement. Donc voilà, là maintenant, on va juste chercher à manger encore et toujours. Hop. Les ours, ils sont un peu rudes quand même. Mais ils font de la bonne viande. Et voilà. Hop. Là, on a un pommier, mais il n'y a pas de... Moi, je préfère quand il y a des pommes d'or, mais bon. On fait ce qu'on peut. Hop. Donc ouais, là ça va être surtout de la balade. On va chercher les branches, on va chercher tous les champignons. Hop. Oui, du miel. Bon bah on va se prendre des abeilles, hein, on va pas s'embêter. On va passer à l'arme rapide. Et nous voilà. Oh, des sangliers. Et il y en a un paquet. Ouais, aujourd'hui, c'est pas la grande forme à l'arc. Clairement. Hop. Donc là, j'ai mon détecteur qui me dit qu'il y a un coffre pas loin. On va aller dans la direction, mais à tous les coups, il est dans une caverne souterraine. Parce que j'ai pas encore trouvé la caverne sous le mont Satori, mais on m'en a parlé. Donc à un moment, il faudra bien y aller. Hop. Ah bah voilà. Non, c'est pas du tout une caverne, mais c'est mon coffre. Hop, qui était enterré. Donc voilà, moi le détecteur, j'utilise vraiment pour les coffres. Ouh. Ok, donc c'est quelque chose qui désintègre un ennemi, plutôt utilisé en pointe de flèche. Parce qu'elle est trop petite pour être maniée comme une arme. Mais du coup, bah j'essaierai, après il n'y en a qu'une, donc c'est un peu risqué, mais... Pourquoi je peux pas la mettre au bout de mon arme? Faudra qu'on teste. Est-ce que j'ai pas une arme là sur laquelle je peux tester? C'est peut-être dommage de mettre un truc aussi fort sur un bâton. Donc on va attendre la prochaine vraie épée qu'on va croiser. Hop, du coup j'ai eu mon coffre. On va aller un peu là au sud. Au sud du petit lac. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Oh! Mais je crois qu'on l'a déjà eu celui-là. Ah bah non. Oh oh, je connais pas celui-là. Est-ce qu'il faut que je tombe dessus? Oui! Un nouveau copain. Un grogu. Je pense que je vais pouvoir augmenter dès que je repasserai au... Dès que je repasserai à Fort de Guay, donc à la base principale, j'irai faire augmenter mon sac. Parce que je dois avoir assez de graines maintenant. Hop, bon. Désolée les petites abeilles. Ah et la nuit c'est super pratique parce que on peut voir les escargots silencieux qu'on voit pas du tout pendant la journée. Les petites grenouilles. Après j'utilise pas du tout les tempos donc je suis pas non plus super attentive à ça. Alors.
Donc voilà. Donc on a fait un peu cette zone. Et du coup, avec tout ça, j'ai pas été là où je voulais. Il y a beaucoup trop de choses. Super, il pleut, donc on va pas trop pouvoir escalader. Mais là où il y a un... Il y a un nid avec des petits œufs. Bon, ça va. Un arbre, ça le fait. C'est pas toujours facile d'escalader. Bon. Aïe aïe aïe. Mais enfin, pourquoi tant de haine? Il tape vraiment dur lui. Je vais casser mon arme. Je vais vérifier que j'en ai d'autres quand même. Après. Oui, si on a encore de la marge. J'ai pas besoin d'en refaire pour l'instant. Hop. Alors. Bah voilà, je vais bientôt avoir fini la cette zone-là et puis après on continuera à remonter. J'espère qu'on trouvera tout autant de choses que tout à l'heure. Parce que les 150 pommes, je m'y attendais pas et ça a dû être assez long à regarder. Mais ouais, ça faisait tellement longtemps que je galérais au niveau bouffe. Voilà, dès qu'il y a un caillou dans un endroit un peu incongru, autant regarder. Ah, des lotus tempo. Il y a un paquet de miel, je me rappelle. Enfin, bien pouvoir s'amuser. Ah ouais, j'ai cassé mon épée sur des abeilles. Non mais sérieux. Après, j'ai qu'à pas les embêter, mais quand même. Ma petite épée. Et puis on va se faire un petit peu de pêche aussi parce que j'ai vu pas mal de perches. Hop. Je me suis pas électrocutée. Hop. Deux petites grenouilles seulement. Ah non. C'est quand même sacrément plus agréable d'avoir un peu d'endurance, hein. Je suis bête. Non, là je vais m'électrocuter, on est d'accord. Et j'étais pas loin de pas m'électrocuter. Peut-être on va manger un truc. Ça se fait. Hop. Mais bon, au moins j'ai eu trois perches. J'espère que je laisse rien traîner. Bon bah voilà. Une petite renouille. Mais oui, bien sûr, il y a besoin pour une demi-marche. Champi et un escargot. Alors, et ça, je sais plus c'est quoi comme poisson cela. Lame, donc ça permet de taper plus fort. Je l'utilise pas du tout souvent. Du coup, on a un paquet de grenouilles. On a fait s'envoler des canards. Hop. Encore une grenouille. Je les utilise pas les grenouilles tempo et j'en ai déjà 27. Donc ouais, j'ai quelques pommes, ça va, je suis rassurée. Mon détecteur a détecté un coffre. Mais il y a une chance sur une qu'il soit dans une caverne. Je pense qu'on est déjà passé là tout à l'heure.
Quoique. Eh ben, il serait peut-être bien là-haut dans le bosquet. C'est dommage, j'ai fait fuir une biche qui m'aurait donné bien plus de viande. Et voilà, deux pour le prix d'un. Ouh. Alors, le coffre. Ouais, ok. Donc il est bien en sous-sol. Tant pis pour moi. Enfin, on la retrouvera bien, cette caverne. Je vais essayer de pas trop louper d'endroit. Je sais pas d'où ils tombaient, ces rochers. On ira plus haut après, d'abord on va finir ce côté. Ah, des écureuils, je crois que je les ai jamais eu en photo. Les écureuils, ça donne même pas de viande, ça me donne rien du tout. Ça donne des glands, super. Ou wonderful. Ok, on n'a rien par là. Les petits écureuils. Hop. Alors. Oh, il y en a tellement. Je me suis figée parce que mes manettes ont commencé à vibrer. C'était un peu louche. Hop, donc un Litoroc. Est-ce que je l'ai déjà pris en photo? Ah non. Ah, en plus un Litoroc Nox, ça veut dire qu'il va me donner des pierres toutes pourraves. Enfin, j'ai jamais utilisé les pierres Nox. Il m'agace. Aïe. Ouh là là. Oui, ça tape dur. On va mettre le peu de protecto qu'on a. On n'a rien trouvé en protecto par contre. Sur tout le mont Satori. Ah, je suis un peu blasée. Ah si, des herbes. Des fleurs. Soyons fous. Non! Ça va être chiant de remonter. Mais on va y aller, hein. Y a pas de raison. Parce que quand même, au moins, on s'ennuie pas trop. Hop. J'aimerais que... arrive à tenir debout. Non, bon bah je l'ai dans l'os. On va utiliser un remède qui va me donner de l'endurance. Ce qu'on se rappelle, Amekli, pas avoir de patience. Donc Amekli veut grimper vite. Oui, je mets 15 ans à mettre un truc pour grimper plus vite. Le temps que ça m'aurait pris de grimper sans le mettre, je suis consciente que c'est pas du tout rentable. Hop. J'aime pas trop quand c'est sur le derrière. C'est quand même pas pratique. Mais d'où il m'a fait mal, il a tapé à 10 km de moi. Mais enfin. Pouette Florque. Je suis pas encore morte. Mais ça ne saurait tarder. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Aïe aïe aïe. J'ai toujours du mal à me remettre dans les boutons entre deux streams. On va
arrêter de jouer petit. Voilà. Voilà. Ouh, bah j'ai récupéré du minerai moi. J'avais peur de pas récupérer d'autres minerais que les siens, enfin que du Nock. Et voilà. Piouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se casse? Je sens que ça va m'exploser à la gueule, ça va me saouler. Non. Ça se... ça amalgame? Ah oui. Oula, qu'est-ce que ça va me faire? Hop, on va le faire avec cet espadon. Ah, plus 21. Et super, et je l'ai mis sur une épée super super abîmée. Ok. Et eh ben, je m'attendais pas à voir ça, dis donc. Donc, ça c'est fait. On n'a rien dans les fourrés, hein. Et ben on va continuer à monter. Il y a des jolis oiseaux là. Que j'ai déjà eu. Hop. Hop. Donc je pense que je vais streamer jusqu'à 21h15, 21h30 à peu près je pense. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bah oui. Je voudrais prendre de la hauteur pour... Voilà. C'est quand même assez pratique d'arrêter de rire. Ralentir le temps quand on fait, quand on est en l'air et qu'on tire à l'arc. Il faut juste reprendre le coup de main à chaque fois, mais oh, j'ai cassé mon arc. Oh, mais il est bloqué. Eh ben vas-y, oh. Il va falloir que je recommence à acheter des flèches de partout, moi. Parce que je sais pas, j'avais 100 ou 150 flèches de plus hier matin. Donc bon. On verra bien. Je ferai le tour des Terry. Parce qu'il y a Terry dans chaque relais. Et du coup, tu peux lui acheter des flèches dans chaque relais. Donc au bout d'un moment, il se sent un peu harcelé. Et il pète une durite. C'est assez rigolo. Hop, donc on a eu des carottes vigueur. Mais rien de max, rien. Donc on a les carottes vigueur augmentent mon endurance, mais on n'a rien eu de max qui augmente la vie. Je suis un peu dégoûtée. Hop. Et puis on va continuer à monter, hein. On sera peut-être sur la suite.
Alors, donc Florc, c'est le même ou plusieurs Terry. En théorie, c'est le même. Enfin, oui, c'est le même, mais juste tu peux te téléporter à côté d'un Terry et tu vas te téléporter à un autre endroit et il sera là aussi. Mais c'est le même, et lui, il sait. Enfin, pour lui, il te voit à chaque fois que t'es dans un relais. N'importe quoi. Voilà, donc. Voilà, lui, il se rappelle de chacune de tes visites. Hop, donc on a eu pas mal de. D'herbe d'Hyrule. Qui est quand même pas. C'est pas mal pour faire des potions, parce que si t'en mets une, ça te rend deux cœurs. Alors que les pommes, c'est un cœur, par exemple. Et la viande normale, c'est deux cœurs aussi. Voilà, c'est pas mal. Avec 5 herbes, tu te rends 10 cœurs. Je trouve ça pas dégueu. Donc voilà. Toujours pas de truffe max. Est-ce que mon moral va tenir le coup? Parce que quand même. Hop, une petite gorge. Alors, un petit lézard qu'on avait fait partir. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh ben, un peu rien. Ah si, on va avoir un petit korogu. C'est pas du tout ça qu'on va faire. On va faire le tour. Des petites carottes vigueur et un, on va pas non plus. Hop, une petite offrande. Ah mais non, je suis bête, c'est pas du tout un korogu qui va être là, ça va être un satori. J'avais complètement zappé. Et le satori, voilà, il découvre toutes les cavernes de la zone. Et ça va durer 2-3 jours, je crois. Ou quelques heures, je sais plus exactement. Et voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique. Genre là après, pour que je puisse aller chercher les cavernes. La caverne du mont Satori. C'est pas mal. Voilà, je suis plutôt contente. Et j'avais mais complètement zappé. Alors que je l'ai déjà vu une fois déjà. Mais pas. Je streamais pas encore. Hop. Encore des princesses de la sérénité. Je sais plus ce qu'elles font. Je me demande si elles font pas du silence. Donc, c'est la déprime. Il n'y a pas de truffe max. C'est la dèche. Normalement, à ce niveau-là, enfin sur un des paliers, on récupérait 30 durians max. Et voilà. Et non. Comme vous le voyez, je sais très bien gérer ma vie, hein. Je me fais défoncer à chaque fois. C'est un peu vital le max pour moi, mais tant pis. On ira peut-être ailleurs, on trouvera peut-être une autre d'autres solutions. Hop. Ah, il reste. Ah mais si, il reste un peu des trucs. Allez, on perd pas espoir. On n'est pas allé partout. Alors, ok. On descendre là du coup. Un petit peu de surf. Mais descends du bouclier. Allez, bon. Ouais, il a un peu du mal à gérer la pente. Bon, allez, salut. Où est-ce qu'elle est ma viande?
Où qu'elle est passée ma barbaque? Tout ça pour ça. Et v'là t'y pas qui pleut. Oh, ça va me saouler cette affaire. Hop. Surtout que hein, faut remonter pour trouver des trucs max. Mais c'est fou qu'il reste aussi longtemps lui. D'accord, je suis déjà allée là en dessous, ouais. Je veux remonter là où il y avait les loups parce que bah j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Hop. Oh! La caverne. On va se mettre un petit. Voilà. Parce que d'abord on va finir la surface. Sinon, on s'en sortira jamais. Et l'empreinte, du coup. On saura jamais si on était dedans, dehors. Donc voilà. Donc on va finir. C'est bien, il fallait que je regarde ces arbres-là. Y'a rien. Bah là, y'a rien aussi, hein. Oh, mes petites truffes, Max. Je suis... Mais vous pouvez pas imaginer à quel point je suis triste. Ben, là, on va descendre un coup sur la première rangée. Et ça se trouve, j'ai mal regardé parce que les truffes max, en plus, on les voit pas très bien. C'est une boule noire au pied d'un arbre. Ça se trouve, j'ai mal regardé, hein, mais... On va essayer ça. Encyclopédie. On va rechercher les truffes. Puis c'est tout. Ah oui, mais avec mes photos dégueu, comment vous voulez que je sache c'était quoi la photo de la truffe max? Hop, les champis, champis. Champis, champis, herbe. Donc ça doit être dans les champis. Hein. Tempo, volt, piment, glagla. Et ça se trouve, j'ai jamais pris en photo. Alors, on va faire comme ça. On va les prendre en photo. Hop. Hop, comme ça, je vais pouvoir les rechercher. Wonderful. Hop, la truffe max. Maintenant, on va les récupérer, celle-là. Ce serait dommage. Hop. Touk, activez le détecteur. Alors, excusez-moi. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des truffes max dans le coin? Oui. Donc, je suis peut-être juste une patate, hein. Il va y avoir des truffes. Ah, niveau inférieur. Donc il y en a, mais dans la grotte. C'était ma deuxième hypothèse. Alors on va aller dans la grotte.
tout ça pour ça. Hop. Donc j'ai même pas eu besoin de la colonne de lumière pour trouver l'entrée du mont Satori. L'entrée de la caverne. Ah, puis c'est parti. Comme on est rentré, on peut effacer le tampon. Rumi, reviens là, reviens là, reviens là. On va à droite ou à gauche? Allez. On a dit toujours à droite. Hop. Ouais, non, ça, on va le garder pour les gros trucs. Hop. Un trop gobelin noir. Hop, on reprend l'arme rapide. Hop. On va monter là-dedans. Au niveau inférieur, donc elle va être grosse cette caverne, je pense. Hop. Et donc il doit y en avoir plusieurs parce que ça n'arrête pas de dire modification de. Ah, je sais même plus, de l'itinéraire, de l'exemplaire. Elle est louche cette petite caverne là. Hop. Ouais, faut vraiment que je me tienne à aller que à droite, sinon je vais jamais m'en sortir. Il y a plein de mousse, mais il n'y a pas grand-chose. Bon allez, on a dit, hein, il y a des truffes là-dedans, il y a des truffes. Ouais, il y avait un monstre là-bas, mais pareil, si je me... Ah! Oh, il y a plusieurs étages, comment... Ok. Je vais aller tuer le monstre et on va partir avec une autre technique. Qui va être, on va... Ouh! Je mettrai des graines lumos là où je suis passée. Non! Moi l'autre. Ma lame. J'ai plus d'épée. Rends-moi mon épée. Ça suffit. Ouf. Non mais oh. Super. Hop là. Oh.
J'aimerais... Voilà. Ça, je saurais que je suis venu ici. Arc de chevalier. Hop là. Ah, c'est joli quand même. Comme marteau. Hop, ok. Donc ça, c'est fait. Donc ici, on a été... Et en fait, non, j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait de cet étage. Mais on va quand même... J'en ai 400, hein. Je suis pas non plus... super serré niveau... niveau graines. Ok, il n'y a rien là. Un violet! Mais il est tout en bas, après j'arriverai jamais à m'y repérer. Par contre, ça va être galère. Une truffe max! Ça va être galère si je veux revenir régulièrement, quoi. Il me dit pas que c'est fini. Ah non. J'ai eu deux truffes max, ouhou! Oh là là, ça m'a l'air d'être un bordel sans nom, cet endroit. Moi, on a dit que j'arrivais par là, de là, je pense. Ouais, ça doit être ça. Hop. Donc voilà, donc j'ai fait la salle du bas. On va aller faire celle-là. Là-bas, on a encore un lapin. Bon, ça va, il s'est barré. Oh, ya. Mais il y a beaucoup trop de choses. Ça me stresse, je vais oublier des trucs. Je vais louper des trucs. Ah non, je crois que c'était des centaines de petits lézards à des yeux, mais non, il n'y en a qu'un seul. Sinon, c'était un peu creepy. Hop, alors. Ça, c'est des poissons. Pour voir dans le noir. Je me suis pas électrocuté. 1-1-1. Et si, c'est un exploit quand même. Hop. Alors clairement, j'utilise pas leur pouvoir à eux. Mais quand c'est la dèche, je les utilise pour me faire des petites potions, enfin des petits repas. Je les mélange avec d'autres poissons que j'utilise pas. Et comme ça, ça me permet d'avoir des repas sans... Ah, je vais y arriver. Sans effet. Passer l'après-midi et la soirée sur le mont Satori. Oh bah c'est pas dégueu tout ce qui est sorti de là. Hein. Mais il y en a encore de partout des embranchements. Oh mais la misère. Puis moi je me tiens pas au fait de mettre mes... Non. De mettre mes graines là. Donc ici on est allé. Allez on va là, on regarde pas le reste. Une truffe max! Ah, ils sont... Il pourrait pas y avoir un champ de truffes max. Je vais tellement galérer si je veux en refaire régulièrement. Après, je comprends, hein, c'est mes préférés parce que c'est trop fort. Mais...
Mais quand même. Ils abusent, ils pourraient pas faire des trucs super forts, super faciles à avoir. Donc on est d'accord là, dans ce passage on a fini. Alors, et j'ai toujours pas trouvé l'Élusis d'ailleurs. Mais j'ai pas bien regardé au plafond, peut-être je l'ai loupé. Comment ça, gnoc-gnoc par là? Donc là, on est d'accord, on a tout fait. Je suis déjà passée là aussi. Oh. Ouais, non, là. Franchement, je suis vraiment nulle dans les cavernes. J'ai vraiment du mal à m'orienter. Je sais pas où elle peut être. Cette... Si c'est que j'ai loupé un passage, si c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a par là. Ah bah oui, c'est vrai, il y avait... Bah non, il y avait la flotte. Bah c'est que j'en ai peut-être loupé par là-bas. Je me demande si j'ai pas vu quelque chose par là. Yep. Mais je suis peut-être déjà venu ici, je suis déjà venu ici. Continue. Là. Non. On va continuer par... Je regarde s'il n'y aurait pas d'autres ouvertures un peu... que j'aurais loupé. Non, c'est que je suis pas venue ici encore. Hop, moi je viens de là. Des petits gisements. Des petits champis, lumnos. Ah bah voilà copain. J'en ai 5, je crois que ça va être le moment d'aller en rééchanger. Ça me dit, c'est par ce mur-là, mais bah, il y a un mur là. Est-ce qu'on verrait quelque chose de là?
Ouais, je suis jamais allée par là. Ni en haut, ni en bas. Je vais mettre un petit cœur là pour dehors. Pour savoir retrouver. Parce que ouais. Donc au total, ça nous en fait combien des petites truffes max? 11? C'est pas non plus. Sachant que j'en avais déjà 6. Tout ça pour 5 pauvres truffes max, quoi. Je pense que j'ai dû la finir là, la petite grotte. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ah, par contre, j'avais pas du tout de. J'ai même pas eu l'idée de me dire que peut-être fallait que je regarde pour les coffres, étant donné qu'ils étaient plus dans mon détecteur. Ça va, je pense pas que j'en ai loupé. Hop, on va retourner à la surface. À peu près où on veut aller. Ouais, il y a pas mal de lézards adhésiaux, mais je vais pas trop m'embêter parce que je les utilise pas trop. Pour l'instant. Ah, il y a un coffre aussi. Donc ouais, je pense que ça doit être dehors. Alors. Donc là, et pouf, tout va bien. On sort de là. Ok, donc il n'y a pas de truffe, il n'y a pas de coffre. Donc ça doit être dans. J'ai dû louper une pièce dans la caverne. Mais je m'en remettrai, je pense. C'est bon, je me suis récupéré de la bouffe. Tout va bien, on peut y aller. Hop! Touk touk touk. Quelle heure il se fait? 20h. On a dit mon emploi du temps. Ok. Donc le mont Satori, ça me semble pas mal. Je pense qu'on a bien fait le tour. Hop. Vous vous rappelez pourquoi j'avais mis ça? J'ai vraiment aucune mémoire, quoi. Bon, bah, je saurai un jour. Sinon, je regarderai le stream. Youpi. Hop, alors. Eh ben, on va aller se refaire un petit. Juste, on en est à combien de lueurs bienfaisantes? Une. Peut-être on va aller se faire le géoglyphe de là. Et on passera voir la grande fée. Donc le temple oublié, ça on a déjà fait. Hop, et du coup là il y a le relais. Parce que pour les grandes fées. En fait, elle va probablement me demander de ramener un truc du relais, donc il faudra que je fasse une petite cabane, une petite chariole et tout. Donc on va peut-être faire pouf. Oh, on verra sur le moment ce qui m'inspire sur le moment. Bon. Et j'annonce. J'ai bien le petit orteil gauche cassé. Je l'ai tapé contre le toboggan de ma fille. Et voilà. Il est tout noir. Mais bon, on n'a pas trop besoin là, ça va. Hop, alors, Ikai. Et Ikai pue. Il fait combien exactement? Moins 20 dans la tour. Ok, moins 20 à l'extérieur de la tour. Qu'est-ce qu'on fait? Trois idées. Soit je vais voir le géoglyphe qui doit être par là. C'est
Non, je pense pas que ce soit ça. Mais qui est par là, étiqueté par là. Soit. Je vais vérifier que c'est pas une île. Non, c'est bon. Soit je vais direct à la grande fée, soit je vais direct au relais. Je sais pas. Mais enfin. Personne veut me dire où je dois aller. Et bon, on va aller au géoglyphe. Ah mince, j'ai pas remis avec moi mes potes. Je les avais enlevés au Mont Satori parce que quand on récolte à Donf, c'est assez relou. Mais du coup, là, j'ai pas pu me faire envoyer du vent par mon copain Piaf. Hop. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore des rhinocéros? Par ici. Parce qu'ils font énormément de bouffe, je trouve. Hop. Alors, j'ai un peu la flemme d'aller dans le sous-sol parce que c'est vraiment le bordel à cet endroit-là. Donc, clairement, je pense que je vais faire genre. Je sais pas. Ah, il y avait un sous-sol? Non. Et je vais aller directement à mon géoglyphe. J'aurais pu me faire envoyer en l'air du coup. Mais bon, on avance, on avance, on avance. On va monter en haut du pic parce que dès qu'on arrive. Oh! Attention, je vais me faire geler. Non, ça va. Dès qu'on arrive en haut d'un pic, il faut vérifier qu'il n'y a pas un Korogu. Ah, là-bas on a un les Alphos. Hop. Pas de Korogu. Et pas de visibilité, donc ça se trouve, j'ai mis une étoile et qu'il n'y a pas du tout de géoglyphe. Ce sera la surprise quand on arrivera sur le lieu où il y a l'étoile. Ouais, il n'y a pas assez de. Ce serait bien qu'on puisse mettre une petite légende au tampon. Un renard des neiges, des caillasses. On va aller sur ce pic-là. Donc si, il y a bien un géoglyphe. Qui est joli en plus. Il est géoli. Oh, ça va. Ouais, il n'y a rien d'autre d'intéressant hein, dans le coin. J'ai quoi d'ailleurs comme détecteur, coffre? On va mettre le détecteur de sanctuaire un petit coup. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas de coffre non plus. On dira. Bon, il n'y a pas trop de bestiaux, hein. On va se faire la petite forêt ounette là. Hop, un petit élan. Aïe! Oui, bon. Je voulais pas qu'elle se congèle la viande. Du coup, j'ai un peu bobo. Hop, on va se soigner parce que les bleus, ils sont plutôt rudes. Sauf. On se rappelle. C'est les aphloses de glace. Alors on fait une attaque élémentaire de feu et pouf! Appuie les Aphlos. Les Alphos. Ça c'est fait. Est-ce que je l'ai déjà cet ours-là? Parce qu'il y en a deux genres d'ours. Motif de paravoile, je ne sais pas. Ça se trouve, je l'ai effacé l'autre ancien. Conserver l'image actuelle. Allez, on va pas le tuer pour une fois. Ils sont quand même sacrément beaux ces ours. Sauf s'il m'attaque. S'il m'attaque, clairement. C'est toi qui as commencé. Bon, c'est peut-être mes copains qui ont commencé, mais c'est pas une raison.
Ah mais sérieux, ils sont super forts ces trucs. Ils courent plus vite que moi, j'ai pas de bottes. Bon bah voilà. Au moins le loup, j'étais sûre de réussir à le finir. Hop. Donc, on va faire les trois derniers petits arbres là au bout. Oh, des baies. Est-ce que j'en ai déjà pris une en photo? Donc les baies, c'est les pommes de l'hiver, quoi. Les pommes qui sont dans les territoires gelés. Hop. Bon, bah voilà. On va aller voir notre géoglyphe. Il se fait quelle heure? Les lignes de crête. Voilà, quand je dis que ça fait de la bonne barbecue, Ebra. Ouais, Ouais, je pense, je vais pouvoir me faire quelques thunes et je vais peut-être pouvoir aller acheter mes bottes de neige et mes bottes de sable. Voilà, ça va être cool. Sans parler de toutes les différentes tenues pour l'hiver, pour le chaud, pour... Moi, je me poserai moins de questions. Parce que là pour l'instant j'ai un item de chaque, mais je voudrais attraper cette pierre parce qu'il y a un Korogu dedans. Parce que là pour l'instant bah, j'ai un item de chaque, mais si j'ai besoin de fusionner des trucs, voilà, de porter mes gants d'escalade, bah je peux pas vu que quand il y a très très chaud, j'ai que la tunique qui me protège du chaud. Par exemple. Alors, où qu'est-ce va être là l'alarme? C'est quoi ça? Non mais sinon je tire correctement ou... Donc on cherche une larme. Je pense que ça va être dans le truc là au milieu. Donc je cherche une sorte de petite flaque. Où elle va être. C'est sacrément grand ce truc. Après cette plaine elle faisait vraiment vide dans le 1. Des boules de neige, des cailloux. Je veux juste une flaque. Là où il va y avoir la larme du dragon. Et qui donnera le souvenir. Donc clairement, si vous voulez pas être spoilé, faut pas rester. Parce que là, on va avoir des souvenirs de Zelda. Pose des questions à toi. Il tire très très bien à l'arc, mon pote.
pote piaf. Coucou. Et mine de rien, 21, ça avance bien. Vite, ça va se congeler, ça va se congeler, ça va se congeler. Ça, c'est pas congelé. Parce qu'il fait... Oh, bah il fait que moins 10. Ça va. Bon, elle est où cette satanée flaque? Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tout à l'heure, elle a... Elle s'est montrée que quand je me suis approchée. Je suis même pas sûre de pouvoir la voir de loin. Et puis là, j'ai aucune méthode. Je vais n'importe où. Un pigeon blanc. Alors, on a dit que Amélie, elle n'était pas persévérante. Enfin, moi, ça me permet de chasser, hein, mais à force, on va commencer à s'ennuyer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un Korogu. Bon, ben, on va faire ce Korogu et après, on essaiera de prendre de la hauteur. Hop. Donc, bien sûr, hein, j'ai récolté un truc, donc j'ai lancé le pouvoir de ma Gerudo. Gerudo, pardon. Voilà. Range ton électricité. Mais je veux te monter sur le dos. Mais je veux pas qu'il te tape. Je veux pas que vous le tapiez. Je veux monter sur son dos. Qu'est-ce qu'il est? Il tourne. Voilà. Allez, on avance. On cherche une flaque. Où est-ce que je suis pas allée? J'ai l'impression que j'ai fait 800 tours. Mais enfin, ça se fait pas, mon petit nounours. C'était pour le libérer, si, si, je vous jure. Hop, alors on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur comme un sale. Hop. J'aimerais qu'elle se mette dans l'autre sens. Ah ouais, on va pas aller super haut quand même. Bon bah si j'ai besoin de rien, je lui demanderai.
Allez, on dit on trouve la flaque. Tranquille là, fastoche. Est-ce qu'elle est là-dessous? Quand même pas. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Des dadas. Tiernard. Tellement ça me saoule, je vais même pas chasser pour pouvoir finir et trouver cette fichue flaque. Bah oui, je vous avais promis un souvenir de Zelda, mais on cherche la flaque. C'est dans la flaque le souvenir de Zelda. C'est compliqué. Mais j'essaye, j'essaye, hein. Moi aussi, je veux le voir ce souvenir. Non mais ça revendique en plus. Bon, est-ce qu'on va dire aux copains internet? Ouais, allez. Donc on va dire le souvenir de Hébra. Hop. Bras. À tous les coups, ça me dira où trouver le géoglyphe et pas du tout. Oui, bah oui, ça me dit. Ah si. À l'est du village Piave, à l'est de la grande. Là, on est où? Donc, c'est pas celui à l'est du village Piave. Oh. Hop, voilà. Sur la partie gauche du monstre. Donc c'est un monstre. Moi non plus, j'avais pas réussi à voir bien. Grumph. C'est trop grand, on se traîne parce qu'on n'a pas. Oui! Pardon. Oui, bah oui, bien sûr, c'est exactement ça que je voulais faire. C'est parti! Un petit souvenir de Zelda. Enfin, en théorie. Je patiente. Ah ouais. Tu es à moi à présent. Ok. Perverti la pierre de la lumière. La puissance grandit en moi.
à ce point-là. Ça fait pousser ses cheveux. C'est trop bien comme pierre. Pas les momies, c'est dégueu. Un petit linel, des petits linels. Sonia, tu arrives trop tard. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant, le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans borne. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Gadondorf ! Votre Majesté ! Ça doit être la première fois qu'ils disent Gadondorf. Dans ce jeu-là. Et une petite téléportation. Mais sa peau a la même couleur que Raoru, alors que à la base, Ganondorf, il est Gerudo. Ok, soit. Ça nous apprend rien sur Zelda elle-même. Alors, ok. Ça c'est fait. Donc ok, ça c'est Ganondorf, je pense. Et on peut pas zoomer. Et ben voilà. On en est à combien de géoglyphes? Ouais, il nous en manque un paquet. Alors, où c'est-il qu'on va en trouver un autre? Je suppose que du coup, il y en a un là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on a dit, on va voir la grande fée et le relais. Pardon. Donc on va aller voir la grande fée et le relais. Donc la grande fée, à peu près plein sud. C'est par où le sud? C'est par là. Hop. Et on est reparti. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à débriefer de ce souvenir du coup. Juste bah comment Ganondorf est devenu super fort. Ça me fait un peu penser comme dans Ocarina of Time quand il avait chouravé une des Triforces. Voilà, là c'est un peu l'idée. Il a piqué la pierre de lumière de la reine. Et du coup il est devenu super fort. Et ses cheveux ont poussé super long. Oh, ce cheval il m'a l'air de briller. Non? On est d'accord, hein, il brille carrément ce cheval. Et ben on va attraper un cheval doré. Moi je vous ai dit. C'est quoi ce truc là-bas? Ah bah ben, c'est la grande fée, pardon.
Hop, alors pour attraper un dada, celui-là je pense vu qu'il est doré que il va être compliqué. Donc on prend de la bouffe de discrétion, on se met accroupi et on y va. Je me suis peut-être accroupi un peu tôt, mais vaut mieux trop tôt que trop tard. J'ai encore 4 minutes, donc ça ira. Ça ira peut-être pas. Mais il est joli quand même. Je sais pas si mes copains. Non, je pense pas que mes copains font du bruit. Allez, 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 allez. Aïe! Mais enfin. J'étais pas loin. Donc Flork, j'espère que t'as pu voir le souvenir, sinon bah tu re-regarderas le reste du stream. Et on spam L, on spam L, on spam L. Oui, j'ai un dada doré! Hop! Très bien. Donc maintenant, comme j'aime pas trop me balader à cheval. Enfin, découvrir à cheval, on va aller direct au relais pour que je puisse l'enregistrer, qu'il soit à moi. Parce que sinon, ça c'est un coup à ce qu'il se barre et je serais trop triste. Donc, on va faire un azimut sanglier et on reviendra par là. Parce qu'il y a. Enfin, j'ai pas regardé les trucs, mais je vais pas descendre. Parce qu'en plus, il a une jolie coiffure. Hop! Par contre, il a que 3 éperons. Je crois. Alors, Epona, moi je ne l'avais pas, mais on pouvait l'avoir dans le 1 avec un amiibo. Et je crois qu'elle en avait 4. Ou peut-être 5. Et le cheval de Zelda que j'ai récupéré dans le 1, il en avait 4 ou 5. C'est juste, bah, il peut faire des galops plus courts. Il ne peut pas faire des galops aussi longs que les copains. Hop, et nous voilà au relais. Et donc il y a une scène. Ce sera pour débloquer la grande fée. Hop là. Ah, et puis il y a même Pen qui est là. Relais des prairies gelées. Donc je gagne un point parce que bah, je suis là. Et je vais gagner un point pour avoir. Je vais enregistrer ce cheval. Oh non! Oui, merci Flork. Il brille, ouais. Et c'est le cheval doré qui s'est enfui de notre lait. Donc ce qui veut dire que il n'est pas du tout à moi. Je voudrais enregistrer ce cheval. Bon, eh ben on va chercher le mec qui s'en occupait avant. Ah, je suis trop triste. Il est à qui mon beau dada? C'est pas elle. Les filles devant la marmite. Donc ok, ça c'est des gens, mais on s'en fout. Ah si je peux pas le garder le cheval, ah, je serais trop triste. Ah, bah ok, c'était la mission de peine du coup. Mais... Eh oh, je te dis de faire quelque chose là. Ok, donc une personne ressemblant à Zelda
avait fait s'enfuir le cheval. Mais c'est lui, c'est le cheval doré de la princesse. Bon, il est un peu triste. Il voulait faire l'enquête. Et donc voilà, vite fait, bien fait. Donc il a eu peur de Zelda. Donc voilà, sa supposition c'est que c'était pas la princesse. Ah cool, c'est bon, je le garde. Ouf! Filet royal! Ok, c'est juste de la déco. Et la selle, pareil. Elle était tellement belle, la selle de Zelda. Toute violette et tout. Un remède enduro. Ok, soit. Elle voulait s'en servir pour retrouver le cheval. Donc nous en sommes à 4 rumeurs sur la princesse Zelda. Je sais pas combien il y en a exactement. Ah cool! J'en ai déjà un morceau. Avec ça, je peux marcher. Enfin, je peux escalader plus facilement quand il pleut. Je suis trop contente. Je suis super contente parce que je me disais que j'allais les avoir dans un million d'années. Allez, salut Ben. Ah, donc j'ai gagné un cheval et un haut de batracien. Hop, on va l'enregistrer. Oui, je veux l'enregistrer. Comment qu'on l'appelle? Et il m'aime déjà à Donf. Bon, on va l'appeler de mon premier follower. Ah, ou peut-être je peux pas lui mettre de points. Je peux peut-être pas lui mettre de don à celui-là. Ah, si. Donc, mon premier follower et mon super CM. S'écrit bien CK, oui. Hop, confirmé. Ok. Donc peut-être quand j'aurai plus de chevaux, je les appellerai comme mes followers. Mais on va le laisser là, le cheval. Oui, c'est toi, Flork. Mais clairement, si je dois choisir un cheval dans le relais, ce sera le cheval qui s'appelle Zelda, qui est quand même sacrément bien. La la la, ni vu ni connu. Hop, donc on va découvrir le relais du coup. On les essaie. Ah, je les ai déjà croisés. Ah oui, c'est des exploratrices. Une grotte avec des champignons. Ok. Elles ont perdu leur tente. Elles ont fait leur tente, elles se sont allées chercher les champignons. Et les monstres ont piqué leur tente. Ok. Bah j'irai les taper à un moment ou à un autre. On va se refaire de la bouffe un petit peu. Et déjà, on va se faire des thunes. Avec quoi? Avec de la venaison divine. Hop. Hop. Donc ça, c'est fait. Je vais aller direct les vendre parce que je voudrais pas les perdre dans la masse. Qu'il atterrit.
Bah, il est pas la Terry. Bon, on va parler. Une édition spéciale. Donc ça, c'est dans chaque relais, il y a un journal. Ok, donc ça, on le sait que Zelda est au château. Parce qu'on a essayé d'y aller. Et c'est là qu'on est mort deux fois. Et que j'ai décidé de me balader un peu d'abord. Donc elle est contente. Donc là, voilà. La grande fée, elle aime la musique. Et du coup, eux, pour une raison qu'ils vont nous dire, ils ont pas pu aller la voir. Hop, donc le petit nuage violet, c'est là où il y a la grande fée. Donc elle aime le corps de Coréo. Mais il est où ce corps? Il a quitté la troupe et il n'est pas revenu. Donc près du relais du pont de Tamanta. Ok. Donc le... Ah ouais, c'est un peu loin, ouais. Donc voilà. Donc il est là, le bonhomme. Ça va être un peu loin. Quelle heure il est? Il est 20h40. Déjà, on va finir de découvrir le relais. Et du coup, maintenant, on sait comment on pourra ouvrir la grande fée. Hop. Non, j'ai rien besoin de lui demander. Bon, bah dans le doute, il me donne un remède pic-pic, donc pour me tenir au chaud. Hop, ça ce sera la chariole, la carriole, pardon, qu'on utilisera pour amener les musiciens chez la grande fée. Moi j'en étais à trouver Terry. Parce que Terry, normalement, il doit être dans le coin. Parce que Terry est toujours dans le coin pour que je puisse lui vendre des trucs. Ah oui, il faudra pas oublier de faire le puits. Bah, il est peut-être dans le puits, c'est pas impossible. On va finir le tour du relais. Tranquille. Et après, on ira voir dans le puits. Hop. On récupère des flèches. On va virer nos branches. Hein, on va pas garder des branches d'arbres. Parce que plus pourri comme arme, tu meurs. Hop. Il est quelle heure? Il est 9h du matin dans Zelda, pardon. Parce que Terry, il bouge sur la journée. Donc il explique que la visibilité est pas ouf. Effectivement. La borne à des chevaux. Moi je veux Terry. On a les musiciens. Ben voilà. Comme quoi j'ai fait le tour et il était en train de rentrer par un côté, je pense. Il a froid. Je veux vendre. Parce que quand même 315 la brochette, c'est pas mal. Bon, c'est 1200 les bottes que je veux. Et j'en veux deux paires. Enfin, deux paires, c'est des bottes différentes, mais... Donc on en a encore pour 5 minutes avant de... Avant de s'en sortir. On va acheter quelques flèches, parce que ça descend vite, finalement. Quand on chasse. Hop. Et je pense que je vais refaire des brochettes pour Terry. Parce que en viande, j'ai quoi? Parce qu'il m'en faut 5, je peux me faire 3, 4, 5 gros plats. J'ai même pas forcément besoin de grands plats. Donc en fait, toute ma viande fine partira pour Terry. Hop! Donc là, ça risque de prendre 2-3 minutes.
Voilà, ça c'est un peu fastidieux. Ce serait bien de pouvoir dire sinon, tu me fais toute cette viande-là en brochette. Mais bon, on s'amuse quand même. Donc on va aller direct les revendre à Terry. Qu'est-ce qu'il dit lui? Mais oui, mais on a déjà lu en plus, pardon. Il était inquiet pour les filles qui étaient en train de s'engueuler devant la marmite. Celles qui ont perdu leur tante. Je peux pas lui dire vends tout ça aussi. C'est dommage. Eh ben, ça a été une journée plutôt fructueuse en chasse là. Parce qu'après, sinon, pour faire des thunes, voilà, on peut partir sur les minerais, mais c'est dommage. J'utilisais pas mal de matériel de monstre aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la dèche. Je suis pas encore bloquée parce qu'il me manque telle ou telle tenue. Donc pour l'instant, on va se contenter de vendre que la viande. Hop, et on va se faire du manger. Donc j'ai dit, j'ai besoin de petits repas, de petits plats, donc de plats à 5. Donc ça va être de la compote de pommes. Du chutney de fruits. Aka, de la compote. Mais je me suis fait 150 pommes au Mont Satori. Donc voilà, si un jour il vous manque de la bouffe, faut aller au Mont Satori. Dans le 1 comme dans le 2. Et dans le 1, après tu peux te faire plein de brochettes max. Mais je pense que vous avez compris à force. Hop. Alors, on en est à combien? C'est peut-être pas mal là. Je vais peut-être m'en refaire un ou deux à 10 cœurs. Et en protecto. Ah, en protecto, j'ai eu des herbes. Des fleurs. Parce que c'est un peu la dèche, j'ai rien d'autre hein, en armo. J'ai plus de dorade. Ah, j'ai deux champis. Et une citrouille. On va tester 5 fleurs. Et après, je blinderai parce que je suis un peu dégoûtée d'avoir tout paumé les fois d'avant. Ok, 5 fleurs, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Donc, on va faire 2 champis et 3 fleurs. Non. 2 champis, hop, et 2 fleurs. Non. Allez. Je prends un petit risque parce que ça se trouve, ce sera pas assez. Si, c'est bon. Donc, 2 champis et 3 fleurs, ça marche. Mais est-ce que une citrouille et 4 fleurs, ça marchera? C'est pas ouf. C'est que niveau 2 et pas niveau 3. Mais c'est pas gravissime, disons. C'est pas gravissime. Hop, donc j'ai du protecto. J'ai du max. Hop. Est-ce que je me fais un ou deux discrétions? Ça peut être pas mal pour si j'ai envie d'avoir des dadas. Ou qui sont les trucs silencieux. J'ai des champis silencieux. J'ai des herbes silencieux. Et j'ai des. Hop, des escargots. Et des lucioles aussi. Il brille comme. Hop, alors je vais faire 5 champis et advienne que pourra.
Discrétion 10 minutes. Allez, bim. Hop, et on va se tenter 5 fleurs. Et on va voir ce que ça donne. Un peu discret, mais pas trop. Par contre, c'est bien, il y a les recettes, mais il les garde pas toutes. Toutes les variantes, il les garde pas forcément toutes. Voilà, juste à savoir. J'étais super contente qu'il garde les recettes, mais il les garde pas toutes. Voilà. Donc on sait pas forcément refaire exactement les mêmes plats à chaque fois. Hop, et ben voilà. En enduro, il nous en reste pas mal. Ben voilà, moi je pense que je suis bien. Je suis prête à repartir pour de nouvelles aventures. J'ai failli oublier le puits. On va se faire le puits. Hop. On va regarder. C'est encore les coffres que je recherche. Alors qu'il doit y avoir un sanctuaire vraiment pas loin. Voilà. Peut-être on va se faire le sanctuaire d'abord. Ne soyons pas bêtes. Hop. Et c'est parti. Allez, on va pas tarder à y aller. Je rouvre juste, voilà. Hop, c'est parti. Donc voilà, hein, je rappelle, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre les notifications. Là, c'est la première semaine, du coup, je pense que je vais beaucoup streamer. Genre pour donner une idée, hier j'ai streamé 9h, aujourd'hui ça doit être la 5e ou 6e heure peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les notifications. Et du coup je pense que demain, c'est pas sûr encore, mais ce sera vers 9-10h. Voilà, mon premier stream du matin. Toujours sur Zelda, sauf si vraiment... voilà, si vous voulez voir d'autres jeux, j'en ai quelques-uns. Ils sont dans ma bio. Et puis s'il y en a encore d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas. J'ai pas pu tout mettre dedans ma bio. Hop. Alors, on va éviter de faire tomber le golem. C'est parti. Hop. Parce que la corne... Ah oui, non, les golems caporal, c'est pas si ouf. Alors. Donc du coup, je discute. J'ai rien suivi. Donc c'est le sceau de la foi. Le nom du... Ah ok. Le nom du sanctuaire. Donc je me rappelle plus si ça me tue. Ou si ça fait autre chose. Parce que dans un autre jeu, voilà. Donc ça fait bien autre chose. Effectivement. Ok. Ça, c'est fait. Mais fallait bien, hein, trouver. Donc, on va là où j'allais. Parce qu'on va pouvoir s'infiltrer. Ici. Parce que, bien sûr, dans les sanctuaires, on ne peut pas grimper au mur. Hop. On s'extrait. Et... Non, il n'y a rien. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose sur cette marche en dessous, mais non. Hop. Ah. Ah si, on passe. Je trouvais ça sacrément pas. Donc le coffre est par là-bas, apparemment. Ok, là je pense qu'il va falloir descendre, hein, on est d'accord. Les corniches là, on peut pas y monter. Ah, est-ce que je peux tricher? Non. Parce que je voulais mettre une turbine au sol et fou, passer par-dessus la barrière. Mais non, c'est pas possible. Eh ben, on va sauter. Ah oui, j'ai plus d'arc. Hop, alors... Mais
Ah oui, j'aime pas cette arme. Je vais refaire des arts. Parce que cette arme fait un courant d'air. Et du coup, ça envoie les monstres et les objets un peu dans le vide. Donc c'est un peu embêtant. On va tester. Est-ce que les flèches... Non. Les flèches ne déclenchent pas l'ouverture du piège. Par contre, je vais commencer à être un peu short en arc. Donc j'en étais à faire des armes. Oui, mais en fait, j'ai plus d'épée ni rien, j'ai que des trucs nazes. Bon, bah, on va se faire deux armes sur des bâtons. Tant pis. On va mettre du joli matériel sur des bâtons tout moches. Hop. Ouais, on va rester autour du 17-18, c'est pas mal. Un bâton tout moche. Et on fait un amalgame. Un autre bâton tout moche. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Et on fait un amalgame. Hop. Et on équipe du coup le bâton tout moche. Ça c'est fait. Donc on a le coffre. Ah, et il y aura un deuxième coffre. Hop, on va ouvrir la porte. Normalement, en se baissant, on passe. Parce que donc l'idée, je pense, mais c'est un grand ça de temple. L'idée, c'est de ramener. On va récupérer une boule, je pense, quelque part, et ce sera de la ramener au tout début. Je vais récupérer le bâton solide parce que ça permet de faire des épées alors que les grands bâtons permettent de faire des lances. Je suis pas très lance, je suis plutôt épée. Donc la balle est ici. Ok, je pense que le coffre est ici. Ah non. Ça sert de venir là alors. On verra plus tard. Ok, le coffre est là en dessous. Comment qu'on va là en dessous? Ok, lui monte là-haut. On peut monter là-haut par là aussi. Donc là, l'idée, c'est de chercher un moyen d'aller prendre le coffre qui est ici. Il n'y a rien qui bouge. Je suis perplexe. Tout cela me plonge dans la perplexité. On va monter et voir ce qu'il y a là-haut. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a... Ok, donc là, il faudrait y mettre la balle, la bille. Et après, pouf, on la lancera. Bah, il faut... Ah, ça doit être pour un planeur. Donc, il doit y avoir un planeur, là. Ok, donc il faudra amener la bille, là. Quand on aura réussi à ouvrir. Poser le planeur et la bille. Et chou, aller jusqu'à là-bas. Ok, donc il me faut la petite clé qui est dans le coffre du coup, qui est cachée. Je sais pas comment qu'on y va. Je... Est-ce que ça se casse? Non. Ça ne se soulève pas. C'est fou cette affaire. Est-ce qu'on peut passer par en dessous par ailleurs? Hey.
Hop là. Donc, il porte bien son nom, le sceau de la foi. Après, de toute façon, moi je fais toujours ça, dans le doute. Donc, je meurs plutôt souvent, mais là, ça m'a aidé. Hop. Et on remonte. Alors, donc, on a dit, on va prendre la boule. Grâce à notre petite clé. Allez, allez, allez. Et c'est parti. On va aller la mettre sur un planeur. D'où le fait qu'il y ait un escalier qu'on puisse monter avec la boule. Puis des plateformes. Hop. On avance. Hop. Je suis pas sûre que je vous ai déjà montré un planeur, mais je trouve ça super super fluide, super agréable. Mais du coup, j'utilise plutôt peu. Mais c'est j'aime bien. Et c'est possible de faire du planeur sans les ventilos, sans les turbines. D'ailleurs, dans le didacticiel, disons, on en utilise. Hop. Donc l'idée, c'est de bien rester au milieu pour bien s'équilibrer. Ça pour 20 mètres, mais bon. Et donc oui, on peut les diriger en marchant sur la surface. Si on veut aller à gauche, on marche un peu sur l'aile gauche et pouf, ça nous fait tourner tout calmement. C'est tout fluide, c'est j'aime vraiment. Hop. Et donc on a fini ce sanctuaire. Hop. Et du coup, je pense la prochaine étape, ça va être de sortir la fée, la grande fée de son cocon, de son bourgeon, parce que j'ai besoin de défense vu ma façon de me battre comme une grosse brutasse. Et du coup, les grandes fées améliorent les vêtements et du coup améliorent les défenses. Donc, comme on va devoir aller au pont de Tabanta, qui je crois est aussi dans la neige, il va falloir que j'aille acheter mes bottes de neige parce que clairement, sinon ça va me saouler. Hop, donc on va aller acheter les bottes de neige dans la cité Gerudo. Alors, ça c'est le temple, ça c'est la cité. Hop, la cité, on y était hier, si je me rappelle. Gerudo, du coup, il y avait des tempêtes de sable, machin, tout ça. On a fait le temple, plus de tempêtes de sable, plus de momies. Et tout le monde est remonté à la surface parce qu'elles étaient dans la cité souterraine. Et du coup, là, je suis acceptée en tant qu'homme dans la cité. Oh! Un géoglyphe, est-ce que je l'avais marqué? Elle est où ma balise? Oui, je l'avais marqué du coup. Ça veut dire que je n'ai pas la tour de cette zone-là. Ah si, elle est là. Alors attendez, je note juste la tour et après on en reparle. Hop. Donc oui, parce que dans le premier opus et dans tous les autres Zelda, les hommes ne sont pas acceptés chez les Gerudo. Du coup, d'habitude, on se fait mettre en prison ou des trucs comme ça. Dans le premier opus, du coup, je dois me travestir. Et là, du coup, on m'accepte. Hop, alors la boutique de fringues. C'est une boutique de fringues masculine qui est cachée. Enfin, un petit peu cachée. Hop.
Et il y a les bottes des sables et les bottes des neiges. Mais je suis en train de penser que s'il fait vraiment froid, de toute façon, il faudra que je garde le pantalon que j'ai, sinon j'aurai trop froid. Donc on va voir. On essayera et sinon j'irai acheter la coiffure Piaf qui me tiendra au chaud. Bah peut-être je vais y aller tout de suite. Je vais juste aller acheter le champignon Armo de la cité Gerudo. À force, on commence à savoir quoi aller acheter régulièrement où. Après, faire tout ce chemin pour un pauvre champi, c'est un peu overkill quand même. Mais bon. Hop! Est-ce qu'il n'y avait pas des petites quêtes Gerudo faciles à faire? Non. Il n'y a rien qui me. Ouais, il y a le Maul d'Arcor, mais on fera plus tard. Hop, ok. Donc, on va pas se poser de questions. On va aller direct rapidos au village Piaf pour acheter ma coiffure. Oui, une plume dans les cheveux. Retiens le chaud. Vous saviez pas? Eh ben si. Hop. Donc le village Piaf, qui était dans une tempête de neige avant que je les sauve. Qu'est-ce que je suis fort? Alors, on veut la boutique de fringues. Hop là. Tada! Donc les bottes, j'ai. Ah non, je n'ai même pas le pantalon Piaf. J'ai que les bottes du prélude. Et donc mon bijou à plume, 650, très bien. D'accord. Et ben parfait. Et c'est bon, j'ai plus de sous. On va juste passer au magasin voir s'ils ont des trucs armo, comme d'hab. Mais je ne crois pas. Non, 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 non. Hop. Donc voilà, on va pouvoir aller faire la petite quête du de Tabanta. Oh là là. Ah, clairement, il va y avoir de la découverte. Donc ça risque d'être un peu long. Mais on va s'amuser. Hop. J'hésite à commencer sur ce sanctuaire. Quitte à faire un petit azimut sanglier pour quand même se rapprocher et faire que la colline de Borca par exemple. Sinon ça va être vraiment trop long d'un coup de tout découvrir. Voilà, on passe par ce sanctuaire-là. On monte en haut du mont Roham. On va faire ça. Et après azimut sanglier. Hop! Après il est 21h08. Moi je partirai, je sais pas exactement à quelle heure. Mais à partir de 21h30 à peu près. Voilà. J'ai pas l'heure d'arrivée de la personne que j'attends. Du coup, voilà, je m'arrêterai peut-être un peu en vrac. Mais je vous ferai quand même un bisou, un au revoir. Donc voilà. Donc ce soir, on va continuer, hein. On profite. Donc on va se faire le Mont Roham. Hop, on cherche toujours les coffres. Peut-être on va chercher les sanctuaires. Un petit peu. Hop, non, il n'y en a pas dans le coin. Après, je suis juste à un sanctuaire. Donc bon, on va monter le mont Roham. Ah, d'ailleurs, j'ai pas essayé encore, mais bon, là, il n'y a pas l'occasion. Ma tenue de batracien qui me permet de d'escalader malgré la pluie. Ce serait bien que je trouve une. Avant qu'il arrête de pleuvoir, un truc à escalader vraiment. Hop, on va faire des essais là sur ces petites roches, sur ces petits cailloux. Alors, ma tenue de batracien.
Touc. Hop. Épaulière de Patracien. Et donc, vu le... Eh ben, ça m'a l'air que je peux monter indéfiniment. Ok. Eh ben, c'est une bonne chose à savoir. Et du coup, ça me fait dire que peut-être il n'y a pas du tout de neige à Tabanta. Et que du coup, je suis allée acheter mes affaires pour rien. Enfin, pour rien. Je les utiliserai quoi qu'il arrive plus tard. Hop. Alors, moi, le petit lac m'intéresse. Hop là. Ah, nous avons une lune de feu qui arrive. Voilà, là on voit les paillettes noires, rouges. Hop là, on va se faire un petit crogule. Oh, font plonger. Flûte de zut. Avant, ça marchait de ne pas plonger. La lune de sang. Hop, donc les monstres sont revenus en plus fort. Youpi. Et on plonge. Eh mais c'est lui qui a pas voulu plonger. Il faut peut-être plonger de plus haut. Oh, lune, allez, couleur du sang. Lorsque de ta lune... Après j'aurais aussi pu utiliser ma tenue Zora. Remonter la cascade. Hop, allez. J'ai tellement pas visé. Allez, on va remonter la cascade et pas s'embêter. Parce que je suis un peu triste qu'il faille plonger. Enfin... Je m'étais toujours habitué à le faire en... Voilà, juste en sautant, quoi. Ah ah ah! Et du coup, j'ai toujours pas utilisé mes noix, quoi. Donc j'en étais à... Il y a un lac, si je m'électrocutais. Est-ce qu'il y a des poissons? Oui, là-bas, il m'a l'air d'y avoir... Tu remues de poisson. Hop. Ah, pas poisson. Tout ça pour ça. Bah si, il y en a là. C'est juste des bulles que je vois ou... Ok, c'est juste les reflets de l'eau. Ok, bon, soit. Tant pis. Mais on va monter en haut de la cascade quand même. Il y a des trucs là-haut, je crois. Avoir aperçu. En tout cas, il n'y a pas de coffre. Alors, je vais prendre une toute petite seconde. Voilà, donc je vais, je pense, y aller pour pouvoir manger. Je vais juste, enfin, incessamment sous peu. Hop. Ouh, là, il y a un truc. Ah! Me dites pas que c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, on va noter ce sanctuaire. Mais comment je vais lui bloquer la... Comment ça va marcher là? Va falloir que j'en crée un moi-même. Avec ce que j'ai déjà eu. Ah non, il y a les cailloux. Okay. Ouais, enfin, faut le dire vite.
Ok, et eh ben on va essayer les cailloux et après j'irai manger. Et si vraiment on s'arrache trop les cheveux, je ferai ça en off. Parce que quand même. Non, descends pas trop bas! Reviens, reviens, reviens! Ok. C'est la fin du monde. Ok, alors on va prendre avec ce qu'on a. Non. Je réfléchis. Est-ce que je m'enquiquine? Ou est-ce que je triche un peu? Ah, il y a d'autres cailloux là. Je pense que comme ça marche. Oui, mais il est un peu tout. Je peux pas lui parler quand il est trop. Quand il a un caillou contre la tronche. C'est pas super pratique. Allez, parle-moi. Je vais mourir de faim sinon. Bon. Hop, allez, lâche pour voir. Ah. Je suis plutôt contente vu l'échec de ce matin. Donc voilà, ok. Donc il va me donner mes 20 rubis. Donc il va me donner mes 20 rubis. Des boulettes quelque chose, des boulettes au champi tempo, donc qui me permettent de d'avancer plus vite, et un champi fumigène. Ok. Et ben salut. Et du coup moi je vais vous dire salut aussi. Et ben j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Puis voilà, n'hésitez pas aussi à regarder les streams. En décalé. Voilà. Donc demain, je pense, ça dépendra. Je dois, tout simplement, je dois faire des courses. Donc, je devrais commencer, je pense, entre 9h30 et 10h à streamer. Toujours du Zelda, sauf demande express. Voilà. Et probablement un peu l'après-midi aussi. Donc, voilà. Comme je disais, cette semaine, je vais essayer de streamer un peu à donf pour. Avoir des grandes plages horaires pour que bah, tout le monde puisse y trouver son compte et me découvrir. Et petit à petit, peut-être je streamerai un tout petit peu moins. Mais voilà, des journées comme hier à 9h, je risque d'en faire de temps en temps. Donc voilà, moi ça me plaît bien. Je me dis tant qu'à jouer, autant que ça en profite à d'autres gens. Donc voilà, je vais vous dire bah, bonne nuit, bonne soirée. Et puis bah à demain. N'hésitez pas donc à follower. Et à mettre les notifications pour pas louper quand je me connecte. Puis normalement, d'ici demain ou après-demain, il y aura une meilleure qualité de vidéo. Parce que j'ai récupéré l'ordinateur, faut plus que j'installe. Voilà, bonne soirée, bonne nuit et à demain. Hop, salut, salut.